Je m'appelle Salah Keltoumi et je vis à Mulhouse. Je travaille dans une usine d'automobile où toutes les nationalités se côtoient. Comme pour une voiture qui a besoin de composants ou de pièces fabriquées dans différents pays, le patron a fait venir d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique et des îles des travailleurs, des hommes et des femmes. Je suis fils d'immigrés algériens et j'ai quitté la région parisienne pour venir travailler ici en Alsace. Mon patron avait fermé mon entreprise à Aulnay-sous-Bois, avec l'aide du gouvernement Hollande. Que nous quittions le nord de la France, ou des régions sinistrées par le chômage ou par les guerres, nous les travailleurs, nous cherchons du travail pour subvenir à nos besoins. Comme moi, certains sont venus ici travailler en Alsace. Et puis certains qui sont nés ici en Alsace vont travailler tous les jours en Suisse, en Allemagne ou au Luxembourg. Nous n'avons pas choisi d'être exploités. Nous sommes obligés de travailler pour vivre, donc de déménager. Alors tous ceux qui veulent nous empêcher de circuler, nous refusent le droit de vivre. Dans mon usine, comme ailleurs, les travailleurs ne volent rien ni personne. Nous fabriquons, nous créons toutes les richesses, et ça, quelles que soient nos différences. Et bien, pour faire face à tous ceux qui veulent nous diviser pour mieux enrichir les patrons, nous, les travailleurs, français et étrangers, unissons-nous. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Arbeiter aus allen Ländern, vereine dich.